à la bonne heure. Patrice Carmouze et l'impertinent du jour. Mylène de Mongeau, dans l'introduction de votre livre, vous citez cette phrase de Michel Simon qui doit faire plaisir à Joël Goron, qui est scénariste. Il disait « Je voudrais qu'on m'envoie des scénarios sur des papiers ultra fins, comme ça je pourrais au moins me torcher le cul avec. » Il l'a dit, c'est vrai. Et moi j'étais en train de penser qu'on pourrait peut-être aussi mettre de la publicité sur le papier cul, ça serait génial. Mais c'est vrai que c'était Michel Simon qui disait qu'il y avait sa guenon zaza hein, pour le trouver beau. Et il disait d'ailleurs, elle a raison, parce qu'avant de trouver un singe aussi beau que moi, il faudra faire du chemin. Et un jour, on lui avait demandé qui tenait de ce physique, est-ce que c'était son père ou sa mère. Et il avait répondu, oh, vous savez, je ne voudrais faire de tort à personne. Alors, c'était dit avec tact, avec plus de tact en tout cas que cette lettre anonyme que vous publiez, que vous aviez reçue quand vous étiez présenté sur la liste de Bernard Tapie, hein, oui, pas un très bon souvenir d'ailleurs, non. Et qui vous disait à peu près ceci, ma pauvre Mylène, maintenant que vous êtes vieille et moche, vous vous réfugiez dans la politique alors que vous êtes bête comme une oie et que vous n'y comprenez rien. Hein, c'était signé une amie, elle ne disait pas que vous voulez du bien, mais... C'est pour ça que je l'ai gardé, j'ai trouvé si une amie vous écrit ça, vous imaginez, ça avait été une ennemie. Oui. Avec non, des amis comme ça. Hein. C'est extraordinaire, oui, oui. Ouais. Comme disait un vieux député, c'était il y a très longtemps, hein, qui s'appelait Monsieur Mauger, je suis socialiste, je le dis très franchement, mais ça ne m'empêche pas d'être honnête. Il y en a un autre plus récemment, c'est Lionel Lucas qui avait dit qui avait cette phrase, il a dit, il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour dire des conneries, et ça c'est vrai. Ça, oui, on s'en aperçoit tous les jours. Alors, la politique, justement, une étude publiée par le site Pluriel nous affirme qu'elle fait partie des 10 ennemis du couple. Il paraît que c'est terrible, la politique. Elle serait aussi dangereuse pour la pérennité de la vie à deux que la jalousie, l'absence de sexe, la télé dans la chambre. La télé dans la chambre, il paraît que c'est très terrible, mauvais. Très mauvais pour plein de choses. Vous ne pensez pas que les soirées foot, c'est pas mal non plus? Probablement. C'est mauvais pour le couple. Voilà. Mais il paraît que les rapports sexuels ont tendance à diminuer. À cause de la télé. À cause des élections. Et des élections. Oui, c'est ça. Il y a un petit pourcentage d'ailleurs de... Donc c'est vous l'élection présidentielle et non pas l'érection présidentielle. C'est-à-dire les gens arrêtent de tirer à droite ou à gauche. Ah. Il y a d'ailleurs un petit pourcentage de couples qui refusent de parler politique de peur de s'engueuler. On ne précise pas si c'est le cas, par exemple, chez les Chirac. Je vais les savoir. Ils font chambre à part depuis longtemps. Vous savez, les petits papiers, vous. Ça veut dire, il y a des sondages qui montrent que ce n'est peut-être pas aussi grave que ça, puisque 65% des personnes interrogées, c'était une enquête qui avait été faite pour le site Mythique, disent qu'elles seraient prêtes à s'installer en couple avec quelqu'un qui ne partage pas leurs idées. Ah oui, à votre avis, qui sont les plus... Pas moi. Ah bon? Ah non, je n'aurais pas, moi. Hein? Quelqu'un qui ne pense pas comme moi? On s'enrichit de la différence, Joël. Oui, avec des copains, avec tout ce que vous mais voulez. Mais votre mari, à la maison? Il y a suffisamment de raisons de s'engueuler sans trouver celle-là en plus, quand même. Prenons l'exemple au sommet de l'État. Rien qu'au sommet de l'État, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni n'avaient pas les mêmes idées au départ. Au départ, non. Vous savez qui sont les plus intolérants, d'ailleurs? Est-ce que c'est les gens de gauche ou les gens de droite, à votre avis, qui préfèrent qu'on ait les mêmes idées que les gens de gauche? Les gens de gauche. Oui, ils sont plus intolérants que les autres. Ils préfèrent qu'on partage leurs idées. Alors, ce qui est vrai, cela dit, il y a moins de raisons politiques de se taper dessus. C'est vrai qu'autrefois, quand vous étiez pour l'Algérie française ou pour l'indépendance, pour le bloc soviétique, pour les Américains, ça risquait de chauffer dans les chaumières. Tandis qu'aujourd'hui, une engueulade sur la relance par l'offre ou par la demande ou sur la réforme du permis de conduire, évidemment, ça peut se régler. Alors, il y a même des psys qui affirment qu'être amoureux de quelqu'un qui ne partage pas vos idées, ça peut être très excitant. Et c'est vrai qu'on fait un petit débat. Et puis après, on se réconcilie au lit. Hein, on est au-dessus des parties, en plus. Bon, c'est très drôle, ça. Patrice, pas mal, Patrice. Elle était pas bien. Il y a une dernière notation assez stupéfiante, c'est qu'en matière de politique, les femmes sont plus menteuses que les mecs, puisqu'un autre sondage nous apprend que 31% des femmes mentent à leur mari sur leurs intentions de vote. Pour pas avoir de problème. Et mon père, lui, il payait tout le monde à la maison. Enfin, tout le monde, moi j'étais trop petite, bien sûr. Mais ma mère, mon frère, il leur filait 100 balles. À l'époque, c'était des balles. 100 balles pour aller voter comme il le voulait. Ah, d'accord. Mais il achetait les voix. Oui, bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, bah s'il avait l'argent, c'est de la fraude. Ça a longtemps été comme ça. Cela dit, 31% des femmes qui mentent. Il y a que 18% des hommes. Mais vous savez, elles simulent aussi parfois en nous faisant croire qu'elles ont du désir. Alors elles veulent bien s'ouvrir. Ça veut dire que l'orgasme électoral. Mais c'est quand même assez fascinant, parce que ça veut dire qu'en gros, une femme sur trois raconte des cracks à son mari et que non seulement elle lui fait croire n'importe quoi, mais ensuite elle va raconter ça à son sondeur. Ah oui, c'est bien. Oui. Enfin, vous voulez parler de quelque chose, Patrice, peut-être. Si on en croit quand même, mais si on en croit quand même ce sondage, ça veut dire que sur les 10 candidats qui se présentent, il y en a 3 dont le mari ou la femme leur raconte qu'ils vont voter pour eux et qu'ils vont voter pour leur adversaire. Alors moi, ce serait vous.
c'est un petit conseil dans la campagne électorale. Regardez pas les candidats, suivez les conjoints. On n'a pas vu la femme de Monsieur Poutou. Non. Ah bah oui. Non. Hein, on ne sait pas qui est. Non, non. Madame Poutou. Madame Poutou. Madame Poutou. Madame Bécaud. Eh bien, vous êtes Patrice Carmoz.